been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking. Bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je vais avoir du mal, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Donc là j'ai un petit peu de temps, donc je me suis dit que j'allais vous filmer une petite vidéo, et surtout que je viens de faire quelques achats, donc je vais vous montrer ça. Vous allez sûrement entendre la pluie, il fait un temps pourri, et je me dis que mes petits, je leur ai pas mis de... Si mon fils il a un petit sweat avec une capuche, mais voilà, c'est pas le cas, ouais, quoi, donc... Mais bon, je pense pas qu'ils vont les sortir plus que ça, parce que... Il fait vraiment pas beau, donc niveau luminosité on doit pas être terrible. J'ai allumé ma lumière de salon, mais voilà, je ferai un peu mieux au montage. Donc j'ai fait quelques achats à Action. Je vous montre tout ça. J'ai pris des choses pour mes enfants, pour mon homme. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, voilà, on est le 20 mai. Je sais pas quand je vous posterai cette vidéo, quand j'aurai le temps de la monter et tout ça. Mais bon, aujourd'hui c'est mon anniversaire et je ne me suis rien acheté à moi. Voilà, rien pour moi, j'ai acheté quasiment pour tout le monde. Tous les autres, mais bon. Et j'ai été faire quelques courses à Action parce que je devais déposer ma voiture pour ma clim. Et finalement, il va falloir que je remplace autre chose. Enfin, c'est génial. Hein. Donc j'ai toujours pas de clim, mais j'ai un bon de vie. Voilà, on adore. Donc... Naruto m'a souhaité mon anniversaire à leur façon. Donc pour mon fils, je lui ai pris un pack Pokémon, comment ils appellent ça, un coffret. Donc là c'est le Morpeko, là je sais pas. Il m'a dit qu'il voulait un coffret avec une grande carte. Donc vous avez une grande carte dedans. Là je vois que vous avez 4 cartes qui recréent la grande carte. Et vous avez 4 paquets de boosters. Donc voilà. Et ça, ça coûte 35,99€. Voilà. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de lui recommander des pochettes pour qu'il range ses cartes. Parce qu'il commence à en avoir pas mal et j'aimerais bien lui faire une pochette par force, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Enfin, par énergie. Il y a énergie feu, énergie eau, énergie vent, je ne sais plus quoi. Enfin voilà, j'aimerais bien lui faire une pochette par énergie, voilà, pour classer un peu ses cartes. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour la petite, je lui ai pris un petit livre, donc le Disney Baby, mais sans premier mot. Donc là, c'est le thème des animaux. Voilà, c'est des pages qui sont plastifiées, donc elle ne devrait pas pouvoir me les abîmer. Voilà, parce que ma fille, elle déglingue tout. Voilà, c'est un petit peu relou. Donc je lui ai pris ceci, je pense que ça pourrait lui plaire quand même. Elle va surtout être attirée par... Ah, quoi que là, il n'y a pas de Mickey dessus. Parce qu'elle est fan de Mickey. Hein, Mickey Mini, sa passion. Donc voilà, je lui ai pris ce petit livre. Histoire de lui apprendre quelques petits animaux. Voilà. Donc ça coûtait 9,95€. Et il n'y a plus les 5% de remise, je vois, hein, sur les livres à Auchan. Et pour Doudou, j'ai pris un manga Star Wars, Étoile perdue. Donc c'est le tome 1. Donc je pense que ça s'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Je ne sais pas s'il est au courant que c'était sorti, mais bon, je me suis dit... Je vais lui faire un petit plaisir. Je sais pas. On verra bien si ça lui plaît ou pas. Mais bon, il est fan de Star Wars, donc ça devrait peut-être le faire. Et vu que là, il a fini tous ses mangas qu'il a en cours, il en a plus en stock. Donc je me suis dit que ça pourrait lui plaire. Et il est quand même assez épais. Donc celui-ci, il était à 6,95€. Donc voilà pour mes achats à Auchan. On va passer au gros sac Action. Du coup, bah, pour les prix, je pense que je vais vous mettre une annotation des prix en bas. Parce que bon, bah, le ticket est quand même grand, donc je vais passer du temps à tout vous montrer. S'il faut que je cherche les prix en allant, ça va être trop chiant. Donc je vais prendre en allant dans mon sac. Donc tout d'abord, j'ai pris des petites sockets pour Jade. Donc c'est du 23-26. Vous avez 3 paires à l'intérieur. Voilà. Ensuite,
À chaque fois que je vais à Action, je prends des trucs pour mes toilettes à chaque fois. Donc les brefs vessies Power Active. Donc là, c'est Island Dream. C'était en promo de la semaine, ça. Ensuite, j'ai pris un Hooper Ball. Donc un ballon gonflable. Liam en voulait un. Et je sais que Jade en utilise à la crèche. Mais pas en forme de ballon, enfin un autre truc. Donc je me suis dit que ça pourrait faire pour les deux. Ils vont se battre, bien entendu. C'est du 3 ans et plus, donc celui-ci, ça serait plus pour Liam. Pour l'instant, à voir. Faut que je le fasse gonfler chez papy, mamie. Donc à voir. Ensuite, j'ai pris une petite carte d'anniversaire parce que Liam est invité à un anniversaire prochainement. Donc voilà, histoire de marquer le coup, j'ai pris une petite carte d'anniversaire. Ensuite, j'ai pris la Teeth Whitening Powder. À voir. C'est pas mal noté sur Yuka, donc je me suis dit que j'allais tester. Donc c'est de la poudre de charbon. Je pense que c'est ça, hein. Ouais. Donc à voir. Pour blanchir un petit peu les dents. Ensuite, j'ai pris deux petites brosses à dents Peppa Pig. Voilà. Parce qu'ils en consomment quand même régulièrement, les brosses à dents, ces petits. J'ai pris des Haribo Chamallow Rubino. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus pour moi ou plus pour eux. Mais bon. Voilà. Je me cadre mal en fait. Je sais pas si vous avez vu avant si je montrais bien les produits ou pas. J'ai un doute. Mais voilà. Je vais peut-être vous montrer les petits designs dessus. Voilà. Je voulais reprendre du dentifrice pour enfants, mais ils font que du menthe. Et moi, Liam, il a jamais aimé les dentifrices à la menthe. Il n'y a que la fraise qui passe et encore le multifruit. Mais voilà. Donc. J'ai repris un kitchen cleaner. Parce que le mien était vide. J'ai pris un petit stylo. Bah, de base, j'ai pris celui pour Liam. Mais je ne sais pas où il est. Il est quelque part dans le sac. Ah, il est là. Donc voilà, je me suis dit. Vu que lui, il va commencer à vraiment utiliser les crayons, tout ça. Je lui ai pris le petit Cars, donc c'est 10 couleurs et il y a d'autres licences. Hein. Il y avait la Reine des Neiges aussi, il y avait pas de patrouille il me semble. Donc voilà, je lui ai pris une mini parce qu'elle va être jalouse de son frère et machin. Donc voilà, donc 10 couleurs. Vu que Liam a ses phases où il aime bien écrire tout ça, je leur ai pris ça. Ensuite, j'ai repris de la super glue parce que bon, à chaque fois que vous entamez un paquet... clairement le truc il sèche, t'arrives pas à le rouvrir machin, donc t'es toujours embêté. Donc j'en ai repris deux. J'ai repris sachez que j'en ai pris deux aussi. J'ai repris le savon parce que là il y en avait une tête de gondole pleine et je me suis dit ah bah je vais faire un petit stock parce que bah, j'aime bien les utiliser voilà, pour les tâches que me fait Jade régulièrement. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien et voilà. Savon détachant, la fiel de bœuf, c'est de Mariette Authentique. Voilà. J'ai repris un petit ciseau pour Liam, ciseau Cars, parce que le sien, du coup, il reste à l'école dans sa trousse, donc il en a plus à la maison. Donc voilà, je lui ai repris une petite paire de ciseaux. Ensuite, j'ai pris un spray dépoussiérant. Voilà, pour nettoyer un peu mon clavier, le PC et tout ça quand il y a besoin. Yep. Ensuite, j'ai pris un petit bain moussant Air Body and Face. C'est Sugar Plum, ça veut dire quoi ça? Je sais pas, mais il sentait bon. Oh. Il sentait bon, il était bien noté sur Yuka, donc voilà, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris le Big Mouth Cousteau Big Format. Là, vous avez quoi? Vous avez 350 ml et dans celui-ci, vous avez 975 ml. Voilà, ça sera pour doudou. Voilà, il y en aura pour un moment. Crème de douche, peau sèche, c'est à quoi? En français, il n'y a pas. Je ne sais pas à quoi vous dire.
Alors, spécialement du blé de voisin. Et là aussi en d'huile de germe de blé, voilà. C'est un bazar devant moi, les amis. Je vous jure. Ensuite, les beaux jours en revenant. Enfin bon, c'est un petit peu mentir aujourd'hui. Hein. Mais bon, fallait que je rachète des petits maillots de bain. Donc j'en ai repris un pour Liam en 122-128. Normalement, c'est sa taille. Donc là, avec la licence Spider-Man. Voilà. Pour quand il va faire un peu de piscine chez papy mamie. Pour moi, je me suis repris une brassière de sport comme ceci. Parce que je les aime bien. Je mets quasiment plus que ça maintenant. Je supporte plus les soutifs et tout ça. Par contre, c'est chiant quand les coques, elles se mettent mal. Faudrait que je les enlève pour le lavage, mais bon, voilà, après les retrouver, les machins. Hein. Mais bon. Je les aime bien, ceux-ci. Donc, je m'en suis repris une. Ensuite, j'ai pris des petits stencils, donc des pochoirs. Ils en ont ressorti deux sets, il me semble, deux ou trois sets. Mais donc, j'ai pris celui-ci. Donc, dedans, vous en avez cinq. Je vais vous montrer ici, donc, les motifs. Donc, pour faire des fonds. Voilà. Oh. Donc vous avez... Non. Si je le mets là, voilà. Là, je vais y arriver. Voilà, vous avez ces motifs-ci. Ah, puis là, je suis plus dans le cadre, donc forcément... Ah, c'est pas facile. Puis en plus, je me mets assise, donc ça ne lui plaît pas. J'ai le bras court. Et voilà, les motifs que vous avez dans le premier set que j'ai pris. Où c'est que je vais poser ça? Et le deuxième set que j'ai pris, c'est celui-ci avec des mandalas. Ah, mais je me suis dit que sur un fond, voilà, juste une partie, où, ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, je me suis pris un déodorant, donc le Go Fresh Dove. J'ai pas regardé sur Yuka par contre ce que ça valait, cette merde. Voilà. Ensuite, je me suis pris le petit couteau de précision parce que... Ah, je suis encore... Voilà. Je sais pas si je vous montre bien, mais bon, c'est celui-ci que j'ai pris, le Go Fresh. 48 heures, ouais. Sans se laver, on est propre. Hein. Donc, voilà, le petit couteau de précision pour faire couper mes nuanciers. Voilà, parce que je galère un petit peu. Ensuite, petit maillot de bain pour Jade. Voilà, donc mini, hein. voilà. Il lui en faut un pour la crèche, donc il y en a un qui va rester à la crèche. Et j'en ai pris un deuxième. Voilà. Pas de patrouille. Voilà. Donc en taille 92, donc c'est du 2 ans. Voilà. J'en ai pris un deuxième, comme ça il y en a un qui va rester à la crèche. Je pense que je vais laisser le pas de patrouille à la crèche et je vais prendre celui-ci pour chez papy mamie. Donc voilà, là c'en est un qui est un petit peu dans ce style. Là, vous avez des petits froufrous et tout. C'est mignon, je me dis pourquoi payer une blinde pour un petit maillot de bain qu'elle va mettre juste une année, hein. Autant voilà, prendre action. Franchement, vous avez des licences et ils sont plutôt pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, Liam m'a dit que ses crocs commençaient à être trop petites. Donc je lui ai pris une taille. Une paire de crocs avec une taille au-dessus. Donc là, c'est du 28-29. Donc avec la licence Spider-Man. Donc voilà, petite paire de crocs. Je sais, frangine va encore faire que de lui piquer. Merde. Passion chaussure, elle, enfin passion vêtements de toute manière. Elle passe son temps à piquer les affaires des autres. Elle veut mettre les chaussures de son père, de sa mère, de son frère, les vestes de tout le monde. Enfin, c'est fashion victim. Ensuite, j'arrive au bout. J'arrive au bout. Est-ce que j'ai le ticket? Non. Non, je voulais montrer le ticket. Je crois que je l'ai déjà sorti, ouais. Ensuite, je me suis pris un organiseur de bureau. Voilà. Bordélique je suis, bordélique je serai. Et je resterai. Mais je me suis dit que la grande partie, là, pour mettre mes artistros, ça pourrait être pas mal. Après celle-ci pour mettre je sais pas moi, mais bah pas mes stylos gel parce que j'en ai beaucoup trop, mais mettre je sais pas, je vais voir,
peut-être mes crayons en cours de mon colo, enfin voilà, je vais voir. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et voilà, en effet marbre, vous avez différents designs, mais moi j'ai pris l'effet marbre parce que je compte me prendre un sous-main, un tapis de souris avec un petit effet marbre justement dans ce style là. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Donc voilà pour mes achats à Action. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. J'ai pas trouvé de nouveaux aquamarqueurs. Il y en a en lot 3, mais vu que j'avais pas mon nuancier, je me suis dit c'est mort. Il y avait des autres marqueurs d'autres là. Mais je sais plus du tout les couleurs que j'ai. Il va falloir pareil que je les prenne en photo. Et que je peux peut-être que je me fasse un nuancier aussi. Mais voilà. Non, j'ai rien trouvé de pour le colo à part mes pochoirs. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, j'espère. Je sais pas trop. Là, vu que mon planning fait que changer. Mes enfants étaient pas mal malades dernièrement, donc j'étais rarement toute seule à la maison. Donc je filme pas quand je suis pas toute seule, c'est pas possible. Mais je filme au salon, voilà. Puis les enfants, si vous en avez, vous savez comment ils sont. Voilà. Donc très peu de temps libre en fait. Donc voilà. Donc je sais pas à quand je vous dis. Bientôt, j'espère. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao. Back to